première chose, c'est que je dis la date, le jour où nous sommes, quand on enregistre ces images, nous sommes le 8 juillet 2022. Alors, au moment précis où nous parlons, la situation militaire est loin d'être clarifiée. Pour le moment, les Russes marquent plutôt des points dans le Donbass, dans la région. Mais les Ukrainiens continuent d'afficher comme but de guerre de refouler complètement les Russes hors des frontières. Et ils sont naturellement soutenus logistiquement, etc., par les pays de l'OTAN. Mais enfin, je pense qu'il est peu probable que la situation militaire soit complètement réglée à ce moment-là. Alors, les perspectives, elles dépendent de quoi ? Elles dépendent du contexte militaire, parce que quand il y a une guerre, les armes parlent. Donc, à un certain moment, c'est les armes qui font qu'il y a une armistice, qu'il y a une trêve, et qu'éventuellement, on commence un processus diplomatique. Donc, pour cela, il faut qu'il y ait une clarification de la situation militaire. C'est le premier point, mais il faut bien voir que dans cette guerre, car c'en est une, c'est une guerre aussi économique. On parle de sanctions, mais en fait, c'est une véritable guerre économique au sens fort du terme. Et il y a les opinions publiques. Il y a les opinions publiques des pays occidentaux, particulièrement européens, et naturellement aussi du côté russe, qui subissent les conséquences de cette guerre économique. Les Européens, pour l'instant, commencent à peine à sentir le coût de cette guerre. On voit bien les prix de l'essence, les prix de l'énergie, etc. Mais enfin, les gouvernements s'efforcent de colmater ces conséquences, et les Français en particulier n'ont pas encore vraiment commencé à subir les conséquences de cette guerre. Et les autres pays non plus. Donc, qu'en sera-t-il à l'automne ? Est-ce que les opinions publiques continueront de suivre la politique occidentale ? C'est une question évidemment majeure. Et en Russie, la situation économique, on le sait, est extrêmement difficile. Et malgré la propagande qui est évidemment très vive, les gens commencent à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc je crois que c'est l'ensemble de tous ces rapports de force, au sens large, qui feront qu'à un certain moment, il y aura effectivement une trêve et l'ouverture d'un processus diplomatique. Cela peut prendre encore un certain temps. Il y a là aussi plusieurs aspects. Le premier, c'est que cette guerre apparaît aux yeux du monde très largement comme une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et une guerre qui, du côté de l'OTAN, est évidemment dirigée par les États-Unis, qui est soutenu par les Européens, mais c'est une guerre de l'OTAN et de la Russie qui est dirigée par les Américains côté OTAN. D'autre part, on voit bien que dans le reste du monde, l'ancien tiers-monde, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, on voit bien que cette guerre est plutôt considérée comme une guerre de blanc et une guerre un petit peu qui a un aspect des relents de colonialisme ou de guerre de pays coloniaux, ex-coloniaux. Cette guerre n'est pas bien vue dans le reste du monde, et la vision des choses, la vision européenne des choses en particulier, des guerres partagées. On a là de multiples témoignages. Reste la Chine. Depuis déjà un certain nombre d'années, la détérioration des relations entre les pays occidentaux et la Russie n'a cessé de pousser la Russie du côté de la Chine, jusqu'à aboutir à une quasi-alliance entre les deux pays, même si la Chine dit qu'elle ne fait jamais d'alliance sur le plan militaire. Et évidemment, la guerre d'Ukraine
pousse d'une manière extrême les Russes entre les mains des Chinois, d'une manière d'ailleurs qui n'est probablement pas très confortable pour eux, parce que j'ai du mal à imaginer que l'intérêt à long terme de la Russie soit de devenir un pays protégé par la Chine. Donc c'est une situation tout de même extrêmement curieuse, mais enfin c'est la situation actuelle, et c'est celle qui va certainement dominer dans les années qui viennent. Alors il y a un autre aspect qu'on ne peut pas ignorer, qui est absolument fondamental, c'est que la politique américaine, même déjà, on en voyait les linéaments avant Biden, c'est de rassembler tous les pays amis ou alliés autour de l'idée de croisade des démocraties contre les démocratures ou dictatures. Et on a bien vu encore au dernier sommet de l'OTAN que les Américains voudraient transformer l'Alliance Atlantique en une alliance qui soit contre les menaces supposées coalisées, si vous voulez, entre la Chine et la Russie. Je voudrais simplement rappeler que lors du 40e anniversaire de l'IFRI, les célébrations du 40e anniversaire de l'IFRI, nous avions choisi comme thème de la conférence à la Sorbonne la question de l'attitude des Européens face à la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et que une idée fondamentale dans ces débats, c'était en tout cas ce que nous avions voulu faire, c'était que l'Union européenne, bien que parfaitement consciente et devant traiter la question de la compétition aussi, qui est la sienne aussi, avec la Chine, l'Union européenne ne devait pas pour autant rentrer dans une alliance contre ou dirigée contre la Chine. Donc cette guerre d'Ukraine modifie assez profondément les choses, et quelle que soit l'issue sur le plan militaire, et il y aura un énorme problème de reconstruction de l'architecture de sécurité européenne, mais au-delà de cela, la question des rapports avec la Chine et avec le reste du monde est tout à fait fondamentale. Ce sont en fait deux questions liées, mais tout à fait fondamentales, et qui vont se présenter dans les mois et années qui viennent de façon probablement assez différente de ce qui aurait été le cas si la guerre n'avait pas eu lieu. Sur la question des conséquences de la guerre d'Ukraine sur l'Union européenne, je crois qu'il y a deux aspects qui sont liés, mais qu'il convient néanmoins de distinguer. Le premier, c'est la question de l'élargissement. Les circonstances ont amené les pays de l'Union européenne à épouser massivement la cause de l'Ukraine et à décider de reconnaître la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est-à-dire que les discussions sur cette adhésion vont pouvoir commencer à une date relativement rapprochée. Et ceci alors que nous savons tous très bien que l'Ukraine est extrêmement loin, je dirais, l'était même avant la guerre, bien sûr, extrêmement loin de remplir les conditions normales pour une candidature. Alors ça pose toutes sortes de questions. Par exemple, les autres pays qui se bousculent pour entrer dans l'Union européenne, enfin en tout cas pour que leur candidature soit reconnue, je pense aux pays des Balkans, par exemple, sont évidemment très mécontents de cette situation, et ça pose aussi des problèmes vis-à-vis de la Turquie. Mais le plus grave, c'est que nous risquons d'être entraînés mécaniquement, si vous voulez, dans un processus qui amènerait à élargir encore considérablement l'Union européenne, alors que celle-ci n'a même pas encore véritablement digéré les élargissements consécutifs à l'éclatement du système soviétique et à son élargissement
à ce qu'on appelait autrefois les pays d'Europe centrale et orientale. Donc je crois qu'il y a un véritable problème d'avenir de l'Union européenne qui est menacé, je pèse mes mots, mais l'Union européenne est menacée de délitement sous son propre poids, si vous voulez, c'est-à-dire parce que pendant des années, après la création de l'Union européenne, après la communauté européenne, comme on l'appelait à l'époque, on disait toujours qu'on devait faire se succéder les phases d'élargissement et d'approfondissement. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'approfondissement consécutif aux derniers élargissements, il est loin, très 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 loin d'avoir été accompli. Donc je crois qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Alors il y a un autre problème qui est plus spécifique, c'est que grâce, si je puis dire, à Donald Trump et à ses menaces à l'époque les États-Unis se retirent de l'Alliance Atlantique, ce qui naturellement eût signifié la fin du protectorat américain sur l'Europe, et face à cette menace qui a été prise à un certain moment tout à fait au sérieux, les Européens ont commencé eux-mêmes à s'intéresser à ce qui est la grande idée de la France depuis très longtemps, et qu'on appelle aujourd'hui, enfin défense européenne, qu'on appelle plutôt aujourd'hui l'autonomie stratégique. Alors, à côté de ça, il y a eu effectivement, pendant quelques mois, un mouvement très positif dans le sens de la souveraineté technologique qui a des aspects civils, mais qui a aussi des aspects militaires, et effectivement quelques signes encourageants dans le sens de l'autonomie stratégique. Mais la guerre d'Ukraine, et en particulier l'élargissement de l'OTAN, la Finlande, la Suède, tout ça va aussi déplacer le centre de gravité de l'OTAN vers le nord. Tout cela a pour conséquence que l'influence de l'OTAN, l'influence énorme de l'OTAN sur la sécurité européenne, au lieu de diminuer comme on le craignait avec Donald Trump, se renforce. Et cela veut dire que les États-Unis, on le voit bien, reprennent le vocabulaire qui était d'ailleurs à l'époque de mes propres débuts. Il y a fort longtemps, à l'époque de mes propres débuts, c'était le burden sharing. Qu'est-ce que c'était que le burden sharing? Ça veut dire évidemment les Européens doivent dépenser plus pour leur défense, mais strictement, naturellement, dans le cadre de l'OTAN et sous-entendu en achetant américain, en achetant donc des équipements, des systèmes d'armement américains, une sorte de Buy American Act, si vous voulez. Et ça, évidemment, ça va en sens radicalement contraire de l'idée d'autonomie stratégique. Par conséquent, pour résumer, je crois qu'il y a ce double problème de la perspective d'élargissement d'une manière un peu inconsidérée, irréfléchie dans le détail, et qui risque d'affaiblir considérablement encore la structure de l'Union européenne et son homogénéité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'Europe? Quels sont les intérêts communs, ceux que nous voulons défendre ensemble? C'est quoi l'intérêt de l'Europe, voyez-vous? Et donc ça, c'est le premier point. Et donc le projet européen lui-même. Et le deuxième point, c'est la traduction de ce projet en organisation d'un système de sécurité, certes, a priori, très lié de toute façon avec les États-Unis, mais que l'on souhaitait également devenir davantage autonome, parce que, tout simplement, les intérêts des États-Unis ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts des Européens, pour les très très grandes questions. Oui, mais pour beaucoup de questions, ça n'est pas le cas. Voilà, je crois, en quelques mots, les grands enjeux pour l'Europe, et aujourd'hui, nous sommes en pleine incertitude.